Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mardi 7 mars 2023, merci la confiance, la fidélité. Nabino, la manaka ya pona Congo, bozoko ba kosa la biso confiance, boko bozoko ba kopesa biso ya bino matoi pe bozoko ba ko contribuer na o etali bongo makambo etali mboka ya République démocratique du Congo, mboka na yo, mboka na ngai, patrimoine commun na biso nyonso mabele ya ba ko kondenga na mesana koloba yango. Ilelo numéro ya sika lokwa bomesa na zene c'est un mingi à co présenter les bino ou ta ville province à Kinshasa wa bisika tozali ko lekisa émission oyo en direct de montagne à Congo Buzz Télévision na chaîne TNT et sur notre page Facebook YouTube bonjour abisso moi si ma menace pe la na ba réaction na bino pe ba appel na bino na tango nyonso na nga nyonso pona ko lekisa biso nini pinza ko sala pour que makambo oye et Kende Wana Liboso, trois invités, des sujets à l'ordre du jour, mais avant tout, quelques sujets d'actualité. Marche contre agression rwandaise, Fayulu Matata et Katumbi font bloc et mobilisent pour le 11 mars. Oyo, Babi Bakobimala Balabala, pour la Koloba, non, n'agression rwandaise. Est-ce que un rapprochement politique topé intérêt à Mboka, tourné à correspondre à la bande de Koubazan Abisso, sur place, le secrétaire général de l'ONU exhorte le M23 à respecter les cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées à l'est de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, plusieurs sources nous signalent au moins 6 explosions enregistrées hier lundi 6 mars dans différents quartiers des Sake, notamment au quartier Virunga vers les sites de déplacés. De son côté, l'armée congolaise dénonce une violation de cesser le fait. Batali Sibiso que terroriste a crié par le Rwanda. Basalaki moi mbininga mbingalo beloteleki alors que Nangambu ya président français tant aleka na mboka na biso abisa ki biso clairement que bako tika manduki moko na lelo na 12h toza na di toza 10h heure de Kinshasa tozo zela que ba bisa biso que ba terroriste ba déposer minduki voilà. De l'autre côté, ping-pong entre Fayulu et Augustin CGI de PES. Denge à l'obaki lobby et l'équipe, n'a pas honte, il y a la radio de la place, kota lisaka li kambo etali vérité désir. Mon amboka Martin Fayulu, opposant, pe mokor ya bayimboka Congo, a talisaki que mandat ya président de la République et kosu kabongo le 23 décembre, et puis le lendemain, et sengeli a longwana pouvoir, selon Denge yé a kaniseli yango kasi ndeko CGI de PES, sa ya ki pour na ko contredire ko talisaka lo lenge mi beko ya mboka et lobi pe ko talisaka akotika na pouvoir kino makambo nyonso ko sale matope ba election ndenge mi beko na biso et lobi yango situation sociale election pe cesser les faits to ko lobelango au cours ya émission na biso ya moko na lelo lors de son passage na lobi yango Emmanuel Macron a lobaki ko zwa cesser les faits ya ba terroriste ya M23
au bazar appuyé par le Rwanda. Talisaki que Mokona lelo na 12h déjà bakoti kamandoki. Est-ce que ko salema to pe ko salema te et ce qui est salemi te prochaine étape ezani dorme ka ko réfléchir na bande ko na biso. Est-ce que on attend oyo makambo ekeyi botozui moi ba commerce ebele feuille de route tout ça qui na ba conclusion ya Nairobi, conclusion il y a Angola, feuille de route ya Angola pe bongo na bongo. Est-ce que qu'est-ce qui va se passer prochaine étape ezani pour la République démocratique du Congo, surtout na bande ko na biso bazana est to komeka ko répondre na ba question oyo tozali ko se poser. Deuxième sujet, la situation sociale devient de plus en plus difficile. Toloba ki ango lobby lelo lisus to ko bandela yango, qu'est-ce qui à la base mende ko moko a pesi réflexion na ye na kotanga honorable Eliezer Tambwe lobby que il faut ko pona entre élection guerre topé situation sociale a bien moni malam monté na mboka o bazana ba problème et belé loko la misolo ya kopesa na pona ko bunda ba kene na mapono mimbangu bangu alors que tozana ba problème ya misolo tolanda ki président ya seni nga lobaki ke azozo a mosolo te malgré que za ki contredit na ngambo ya ministère ya finance mais mwa mbutu mbutu ezali ko talisa na ngambo wala to komeka ko réfléchir na bandeko bazana biso sur ce plateau ndenga lobaki yango tous en trois invités ndeko wakinge la Jean il y a MSR o azali bongo na ngambo ya FCC a ko déjà ko rejoindre biso sur ces plateaux to moni pe bande quoi il y a FCC ko réagir te qu'est-ce qui se passe est-ce que la question bonjour et bienvenue d'abord bonjour madame Naomi bonjour à nos téléspectateurs bonjour na batnyo soba ko langa biso na ngonga o à travers émission na yo. Nous sommes là, tous à Ponako Pesa, Makanishinabiso, na Italie, Congo, vis-à-vis de la situation politique, économique, sociale et avec les Kanambo Kanabiso. Vous pouvez s'y positionner à Binote sur la guerre de l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne vous concerne pas? Surtout que l'autorité morale n'a pas zo le bel côté, alors que Aza, ancien président, Moko Tosani Namboka, qu'est-ce qui se passe? Madame Naomi, vous avez perdu tout le temps. Vous avez perdu trésor public Mobimba ya Congo en train de chercher comment trouver des diplomaties agissantes pendant que Bisoto Ebisakibino il y a tout un trésor caché ici chez nous. Tout ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas des cas où yo ezalaki toye kokuta yango tozana ba cas où précis en 2013 vous avez dit. Vous avez vu comment le président de la République avait reconnu ça officiellement. Le M23 était défait en 2013. Mais cela a été revenu sur base de quoi? C'est une question à se poser. Le FCC est en train de se poser. D'accord, comment on a dit que les Congolais sont d'accord, d'abord, on a un préalable au FCC à Pesaki. Ce que l'on dit dernièrement, quant à ce qui concerne ma bonne amie, nous ne pouvons pas exclure une partie. Il y a est par rapport à ma enrôlement FCC aza de cœur na makamuma ko le kana est mais il s'agit maintenant des pouvoirs en place. La politique en place doit quand même définir, donner une politique publique pour que cela arrive à mettre fin. Et ne l'ayant pas fait, c'est-à-dire, il y a quelques complicités autour de reprocher na kati ya régime en place. FCC se prépare déjà dans tous ces questions. FCC aza prêt. Mais il y a des préalables soulevés. Okay. Et ces préalables, tant qu'ils ne sont pas encore préalables soulevés, alors que bon, volait, bon, ma, se mettre madame, à côté du Naomi, vous savez, l'enrôlement, c'est un acte civique reconnu dans notre constitution. Mais cet enrôlement doit émaner d'un consensus. Ce bureau qui est appelé de nous amener, oui, comme m'a dit son enrôlement, n'est pas d'une manière consensuelle. Mais comment accepter que Bissoto qui n'a pas pour nous? Deuxième élément, la cour constitutionnelle, c'est une cour bien monnayée dans une poche de quelqu'un et qui acceptait que la République démocratique du Congo, nous les pères de la démocratie, nous ne pouvons pas tolérer de cela. De troisième élément, la loi électorale, elle est censée comme ma ponaminabiso et à partager, couper sa vie, ligne de conduite au Seni Akuki Kolanda. Cette loi électorale, il y a quelques dispositions à la veille de la promulgation et cela qui est en faveur d'un individu. Vu tous ces éléments-là préétablis, en vertu des principes de non et à consensus autour de
loi électorale, bureau de la CENI, la Cour constitutionnelle, FCC ne peut pas prendre les risques d'accompagner ces désordres. Au moment qu'il y a tout ça, paix et alternance. La vraie démocratie dont aujourd'hui la République démocratique du Congo a bénéficié, c'est à travers FCC. Passation pacifique, c'est à travers FCC. Nous avons eu des... 2006, on a organisé les élections. 2011-2018, mais par des actes palpables, montre-moi ta carte de lecteur de 2018, de 2023 et de 2018. Mais ça n'a rien à voir, ils ont la carte de lecteur. C'est ça que nous avons dit. Non, c'est un acte que je vous dis. Le vote, c'est à part. Cet acte-là, carte de lecteur, c'est votre document officiel. Tu resteras avec ça en entendant d'autres documents officiels de la République. Mais ce document on a examiné dans deux ou trois mois et que cette carte là commence à perdre quelques valeurs d'écriture, ça n'existe même pas. C'est ce que nous avons dit. L'épreuve, c'est quoi? Vous avez suivi Denis Kadima. C'est là qu'ils ont besoin de glissement, c'est le régime en place. Denis Kadima nous disait qu'il n'y a aucun problème pour le financement. Mais à la veille des élections, Denis Kadima nous dit déjà des ping-pong avec le gouvernement en disant que non, il n'a pas à ma coquité à Kokokako Sunga peuple et que nous sommes à travers la Rome. Merci beaucoup. Il sait très bien que nous nous avons dit. Kadima, c'est un Congolais. Kadima, il est tout sauf expert en matière électorale. Comme preuve, l'incompétence d'abord commence à se montrer. Merci et demain, on en a devant le Congolais. Je reviens sur cette question, la question électorale, la question sociale, la question sécuritaire. Au cours de cette émission, tout en écho David Moutoumungu, bonjour et bienvenue. Vous pouvez déjà avancer indépendant et proche de l'Union sacrée. Pourquoi vous n'avez pas de parti politique? Qu'est-ce qui se passe? Non, oui, bien, n'a pas si on a bandit, n'a pas si on botte, n'a pas si pour débattre, n'a pas botte. Botte, moi, en bout. Vous avez l'habitude de vous couper, n'a pas si on a un peu de botte, n'a pas si on a des spectateurs, n'a pas si on a un botte. Kasi, on a un message, mi balé à Liboso, et Zali, bah, Congoman, bah, mina, et bisayo, n'a félicité, on a moussala, zo sala, et qu'en de Liboso, bah, c'est pela rapena, ming, et tant on a un plateau, n'a yo, pour toi, on a un koloba, ma cambonioso. Parce que pour nous, il y a des questions, il y a des partis politiques, il y a déjà, je crois, plusieurs fois, dans le plateau, il y a des que le lengue va partir et fonctionnera. Ah, na modèle na nga komoni la politique na ne balamité. Kasi si kay koya ngongo koya ceux qui na adhéré na kati ya parti politique na koyebisa. Mais faut koyeba pe que na politique onyoso na mokili ba ya gauche bazali ba ya droite bazali. Mais on soutenir vision chef de l'État. Ko soutenir vision chef de l'État pas forcément, mais toi ba kongomani koyebi. Natango pays ezali agressé na banzi été bah à gauche et à droite bah ça l'a raté. Tous aïe d'abord qu'on batte la patrimoine na biso pour être le lot qui est collé qui à ta politique ou en autre ça le langue wapi kasina aïe kolo babou na aïe ling le lot moindo nzangi moindo nzangi atika ko sala ba théâtre aïe ko sala wana parce que yango na biso le lot on aïe li a ozani ma imatali kita pe kolo ya aïe kolo ba kia on osso qui ba aïe se ba zaïe te goma yenga yo koya mais aïe na ma aïe li nini nga na aïe komi mituna mituna wana yo moutou kouta vanda wana na est j'ai pensé kazaïe na contrôle ya question wana. ESR ba komi wana ba yaki na mission moko ya offensif. Est-ce que vous avez compris les questions wana? ESR M23 ba koyi ko intervenir te bazwa goma. Oui bazwi goma te pour ani pour des raisons stratégiques. Ya liboso ezayi nini? Mokili mobimba ba rondi mate ke capitale ya province moko munene o ezayi ya est kuna lokola goma ba toi M23 bazwa yango. Ya mi ba est-ce que bino boye komona mo M23 ezayi mo etuluku moko bo ya batu o ezali appuyé par Rwanda. Baye pena na makoki ya kokamba goma sika yeso ya ye na politique na ye ya libumu to ebinde bat basala ka ayi ko sala jalelo na ye ma matali chef de l'état asala yango male mina longo ke paka tumbi kuna kya soki ko akotu nyo sa grâce à li parti na ka sima matali sécurité ya mboka oyo ezayi makamu ya kosakana na ngote ezayi makamu to ye o telemi ali ko sala ba déclaration na yo ba sentiment na yo donc ya libosu ya mi balé na ye koloba ma matali bana kitambo ya kwa mutu lelo ezayi ko sala mbula moko je pense plus d'un an. Na banse te na bien ou bien na lingala bazaka esusu na ma ite pona nini nzela moko prince romo na basala wana e mata ezayi financé par union européenne bande kwa OVD bakenda basala nzela wana bakata batio ya régie des eaux kasi ya bakata batio ya régie des eaux abenga banga lobi bokati batio a bango bazwa ki responsabilité ya kufuta sika a ifai bafuta basali protocole d'accord na régie des eaux
Bazoua qui responsabilité et engagement à Kofuta. Si les victimes et les populations, ils sont en train de se faire 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 en poète baye o bande ko na biso bazay ko vivre na kitambo kuna bazwa obele ta mo mai mama. Très bien, merci beaucoup mwana mboka mbela na yo kamina bakondi mboka tozali nande ko maître Tony Kirinde azali nande ko ya lisanga nouvelle langue ngambo ya opposition mais bango baza mingi to ebite to bazo pousser un peu plus proche de pouvoir, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez déjà nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Naomi, merci de votre invitation. Je salue également mes différents co-débatteurs, merci. Peuple congolais Mboté, très ami de prendre part dans cette grande tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous politiques, pour nous réfléchir. Makambo et Talin Kita. Alors, il est très important et à Pessa également, peuple congolais, ou à Koufa, la partie est de la République, un message de réconfort, un message Yakoibisabangoba tenir bon. La République démocratique du Congo, effectivement, depuis plus de décennies, tout à coup vivre la situation moko calamité dans la partie est de la République, suite à un leadership, voulais-je dire, très faible de la part de ceux qui dirigent la République. Et cependant, nous nous présentons notre offre politique en tant qu'une plateforme politique qui est le nouvel élan, afin que lorsque Ndekouado Fomosi, tu seras élu président de la République en 2023, nous puissions avoir un État qui fait imposer le régalien sur toute l'étendue de la République. Effectivement, c'est très important que le en gros, il y a une question que le Congolais, les différents le bah, Congolais à partout dans le monde, bah, qu'on posait des questions. Pourquoi bisoto que ça la politique moko ya que ça ici qu'à la biso moko. Mais toujours réfléchir que même quand on a une période moko ezali sensible, une période où le peuple congolais a yoki bah espoir venant de tout le monde. Même au parti où ezali qu'on présentait le coup la espoir ya peuple congolais. Je cite IDPS incarné par Félix Tshisekedi Tshilombo par rapport ya Kumba na bango bah ça la qui 37 ans dans opposition aujourd'hui bah qu'on gère moko et puis lorsque les opposants se mettent d'accord à Genève pour désigner candidat commun, on s'est rendu compte que l'erreur c'était nous avons désigné un individu sans pour autant mettre en avant-plan le programme et pas voir les conséquences. Tolobi, il serait utile en tant que politique maintenant nous puissions repenser notre manière de faire les choses. Le mieux serait d'abord de commencer à profiner le programme, profiner stratégie Nabissou et gestion Yamboka. Et puis lorsque Tokokoma en la période il y a Kosala Alliance, Tokotala avec qui programme Nabisuko concordé pour tout ça là alliance ensemble. C'est ainsi qu'il est important que le Bengo, jamais dans le monde un parti politique moko a gagné ma ponami la présidence ainsi de suite. Alors il est toujours important à réfléchir que étape différente mais ma na alliance et ça la étape moko bien élaborée et ça la tête pour le beau visage pour la popularité des X du grec. Mais cependant il faut et ça la et ça par rapport il y a profil il y a programme autoco présenté pour la et mais dans ma polami Yangonde, le nouvel élan en tant que parti politique, j'atterris là. Tu sais que ça, la moussa la wana. Au-delà de ça, tu as kende na différentes couches à population pour expliquer le programme Nabisso. Actuellement, tu as volé à l'Ibosso. Il y a parmi le programme Nabisso, il y a tutrisation des terres. Autoko et l'Isa peuple congolais va comprendre l'importance des Yézali. Il y a au sale en sorte que Mabele au lobby l'obakaji qui l'obaki le sol et le sous-sol appartient à l'État. Comment est-ce que l'idéologie wana, loi wana et commettre ma limite n'ango par rapport y a ma guerre et que ça la malakoua moutou par rapport y a ma camouillon sur que la mabélé et que ça la ma. C'est ainsi que bisoto une nouvelle alternative pour nous proposer qu'il est important que l'État congolais avec le citoyen congolais base à la appartient égal sur le sol congolais pour permettre à ce que ma situation insécurité que c'est passé kuna et ça la maté comment. Merci parce que beaucoup. Les habitants de ces terres, permettez-moi j'achève là, les habitants bah oh bah que ça la droit
terrien sur une portion de terre, parce qu'on a facilité, il y a qu'on peut protéger l'intégrité de la Bango, en fait que les ennemis vont envahir Yangoté. Parce que nous avons constaté que la léthargie qui est incarnée par le régime en place fait en sorte que Bitumba, Yamabele, comme Kosala, Kebatoba, Koukoufa, n'a parti, il y a grand bandoundou, alors ils avaient inquiété Bissot et moi en tant que formation politique qui apporte aussi les contre-propositions, nous avons apporté cette idée de la titrisation des terres pour permettre que la République puisse avancer. Merci beaucoup. Comment on a commis lobby une blague sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à lobby Moutou Akozana Kamer était dans l'élection présidentielle à Koéchoué. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux. Mais ils ont interpellé à terre dans le sens qu'il y a avec qui s'associer, alliance, tonanani, parce que Nangamba, président de la République, tout le monde, l'idée a presque nous soit Kamere, Jean-Pierre Bemba du côté équateur, tout le monde, Ndekwa ACP, tout le monde, moi, Mingi, apparemment, l'alliance est très importante, mais Moutouna Nangai, Natunaki. Alors, d'entrée de jeu, il y a un bouton de la situation sécuritaire, tout le monde, Kambo. Il y a marche et ça le 11 mars oyo na bandeko na biso ya la muka LGDP bandeko ensemble pour la République. C'est vrai que bazana biso na plateau te, mais on va réfléchir sur cette question. Mon lamboka mutumungu to bandana yo sango oyo ya trois partis politiques au stambola ensemble le lenge kani et oyo ki yango le lenge kani vraiment moni yango ki kopona kozongisa kimia parce que lelo opposition et sangani fo na loba. Bon, est-ce que c'est une nouvelle force pour la grande opposition, pour la tambola, pour la koluka, causons sa kimia? Bon, y a un beau tour, le bait, les alliés, trois y a un congo, mani, baye, ba moni, ba rosangana, ou ba moni, pe ba rosangana, te ba sangani. Kasafana, y a un laïo, na roloba, n'a pas de ya nouvel élan, ah, ok. Webi, n'a mboka, ou, er, tu aïe, kouya, koutanga, ba kombo, ya batuna, ba plateau, ou soit er, tu aïe, kouya, na ba kombo, ba tunu, susu, et senge la tatou, la tara chapeau, koutou, batamara. Ponani. Ndeko muzito wazalara a premier ministre. Et msusi ya kotina nouvelle la yebi histoire. Te, ndeko muzito wazaki parmi ba premier ministre les plus manipulés. Yo, et si mona premier ministre Mobimba, azaye ko voyager, kasi ba bengi réunion moko boye ndeko Kabila à l'époque, katumba mwa ki zonga mbangu awa. Azongi. Donc, il y a un programme qui est le 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 Genève. Adolphe Mouzito, il s'appelle mon cas à point. Té, Léon a ébissé au boué. Ah, toi, il coule ma rambo politique. Pour n'a pas de ma rambo économie, on est à ma rambo moussous. Ok, n'est-ce pas que ma rambo est allé maximation, au bini de maximation des recettes, n'est-ce pas que n'a pas de contredire une personne, il faut avoir les éléments. Ok, ne viens pas faire le beau pour que le téléspectateur te regarde. Tu es un animal ici en face de toi. Ok? Je maîtrise ce que même tu ne peux pas maîtriser. Maître Tony, il ne faut pas contredire pour le plaisir de contredire. Je vous reviens. Maramou, tu as tout le monde en politique. Je suis en train de me faire. Tant que tu as combo Adolphe Mouzito, au lobby Maramou Itali Maximation, il y a des recettes. Ça, c'est un autre débat. Il y a une matière économique. Ceux qui ont sali plateau économique, ils ont économiste, ils ont bien mis en débat. Ils ont dit que tu as un combo Maramou Itali, un accord politique. Tout le monde est clair, ils sont clair, limpide. Que bande comme sous bas sangani bino bou sangani te ponanin. Ils ont mis en débat recettes, ils ont mis en débat économie, ils ont mis en débat politique. Ok, je ne suis pas un petit garçon ou encore ce que tu entends de qualifier là. Donc, je suis venu sur ces plateaux pour analyser des questions des téléspectateurs ainsi que de la journaliste. Est-ce une force pour l'opposition de se mettre ensemble dans le sens il y a Luka Kimiana Est? Bon, on a dit que ah, on a côté qui na plateau na yo que ba politique ya Congo et loko ya ko bomba bango. Et puis na ko intervenir, na ko anticiper maman la question mon retourner qui a Maimatali Emmanuel Macron RAYAKA ko lobela ba intérêt ya état français. Biso ba politique to ya ko kutana, il faut totala ra intérêt état limboka.
total à raba intérêt na biso personnel té. Et là, biso tozali ko lutter contre yango yango wana. Si quelques individus ba parti politique na bango ba sangani libre à eux, soyi ba moni ke ezali pona Congo et ke ne liboso libre à eux, mais kasi awasika a tozali na contexte moko très particulier. Ezali ke question o etali insécurité na est o est comme très préoccupante. Na biso ki o ke ndenge makambo yango ezali ko kendele. Soki tozali ko keneka na lisano boye to ko koma timu ko mususu to lamuki mboka ezali lisusu te. Ne biso tozali ba yi politique o tozali na charge pe responsabilité munene er tozali ko ya na ba plateau sérieux boye ya ko kende par les dos de la couleur te. OK parce que ye une émission ezali nga na moni so ko attaquer nga na français na yibite pour la ni yango ko lo babongo. Donc pas d'attaque personnelle. Ko attaquer personnellement té na na tangi kombu na été nazali koloba na ikoloba mai matali Congo na ikoloba mai matali ba individualité donc pour na ko chuter eza pour na koloba ke ngai na ye pour na makambo wana té mai matali ba ndeko ya LGD ou encore quoi que ce soit soki ba sangani ezali droit na bango soki ba monique eza pour na ko mema école liboso pour na ba intérêt c'est bien mais tous avez ko constater ka kende ba kenda rabon ba politique ba sangana ka elo ezali ko bomboka na biso yangwana bazai ko sangana mingi mingi po bazai ko mona ba intérêt na bango privé et personnel té sika biso a to ayiko ya po na mai matali Congo mai matali kita na mai matali ekolo très bien mona mboka ndeko Jean wa Kengela depuis makambo est bandi nini bino ba entreprendre na ngam na bino na FCC po na koloka kimia. Merci ma madame Naomi d'entrée déjà na koloba été ma collègue en est d'abord la responsabilité doit être partagée. Lorsque osan a tête à gouvernement, il s'agit qu'osan na ba politique oyo et koki ko mema pays et se prendre en charge face à un problème sérieux tel que auto comme on a est du pays. D'abord, avant d'aller na makambo ya koeba nini et collègue en est du pays, quelles sont des propositions oyo FCC apporté par rapport na oyo kolekana na makambo kolekana est du pays, mais il faut d'abord diagnostiquer les problèmes parce que tokoya teto banda vous l'avez fait déjà, mais c'est tout, nous l'avons fait, c'est déjà fait, c'est dans la place des jours au jour biso to ko lobela yango na ba ekomo ma monana ki na tango ba ko kanga ba conseiller privé na bango par rapport na ba sortie médiatique. Vous avez vu comment nous avons dit, pendant 18 ans, Kabila n'a jamais fait des approches avec les pays agresseurs. Ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Tolobiango, Kabila a pris ses responsabilités comme homme d'État, comme responsable numéro un de notre République pour mettre fin. Et vous avez vu comment lui-même, le président actuel, a apprécié ça devant les institutions et à Roumanie ou autre, pour dire que non, en 2013, Kabila a fait à Benganaka M23. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce que l'élo M23 a réapparaître sur la scène politique qui n'a pas été au Congo? Il y a eu des accords conclus. Et c'est ce que nous voulons dire. Vous avez suivi ici, lorsque M23 commençait à menacer la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais est tellement acquis. Et l'obini, face à ce qui arrive en République démocratique du Congo, et tout comme on a que Rwanda a ça derrière M23, tu résilies par accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Nous connaissons quels sont des rapports diplomatiques. Mais il fallait à ce que les porte-parole du gouvernement en place puissent nous dire quels sont les accords qui ont été signés entre la République démocratique du Congo sous régime Nabango et Andeko Félix Tshisekedi et les Rwanda. Ça c'est le premier aspect. Ok, merci beaucoup. Accords commerciaux. Merci beaucoup pour m'affirmer ça. Nous avons vu Rwanda ici. Mais vous savez la position de la République démocratique du Congo face à cela. Accords commerciaux. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Nous avons vu une partie à minérer Nabisso. Et puis, c'est là, c'est Non. Madame, j'ai dit merci parce que reconnaître l'accord commerciaux. Oh, bah, Congomani, bah, 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 bah. Donc, nous avons vu, nous avons accepté sous régime de Félix Tshisekedi qu'une partie à minerai Nabisso est à la céder na Rwanda. Ah, vous avez vu accord au Bopesi maison des raffineries d'or au Rwanda. Et dans quel pays où vous avez vu une ressource minière, Mosolo ya Mboka est à la co-gérer dans le pays Moussous.
O baza atana eloko moko te na matière minérale et yango. Deto lobi eza tout simplement ce qui est les régimes en place, tout ce que nous subissons à l'est du pays, c'est voulu par les régimes en place. Moi, ma question, je me pose la question simplement de savoir, à l'est du pays, là où nous appelons Goma, là où pratiquement Babilo Kwezo Leka, Goma, Nord Kivu, est sous état de siège. Premier élément. Deuxième élément, il y a plus de 25 généraux qui sont basés à Goma. Deuxième élément. Troisième élément, il y a la MONUSCO sur place. Quatrième élément, nous avons plus, au moins, force AEAC. Nakati AEAC, il y a plus de pays. Tous ces pays-là sont des nilotiques. Madame, pouvez-vous accepter ou voir un Congolais de Kinshasa puisse aussi tuer un Congolais, je ne sais pas moi, de quel pays, de quelle province? Tous ceux qui sont dans l'AEAC sont des nilotiques. Et qui parle des nilotiques voit les Rwandais. Vous avez vu notre armée ici dénoncer des postes de responsabilité au Rwandais, au Rwandais qui occupent l'AEAC. Et lorsque nous avons dit au gouvernement congolais, tout cela qui va marcher, voilà la proposition de la FCC. Tout le monde qui était, RDC n'a pas sa raison d'être dans l'AEAC. RDC doit se prendre en charge avec tout ce que nous avons comme moyens financiers, doter notre armée. Mama oh italique bibundeli tokoiko mettre M23 de yo, mais le régime en place n'a pas accepté. Il est en train d'aller assez les résultats de l'AEAC, c'est foutu. Aujourd'hui tokoi, il y a plus au moins des forces des appuis militaires que est à recevoir. Mais dites-nous ce que tu peux nous dire ici en vertu de ça. 25 généraux sur place, état de siège c'est imposé à Nord Kivu, nous avons plus de colonels, 21 000 hommes militaires en uniforme, nous avons base, il y a États-Unis militaires na ebisio na Congo et à l'est base kuna. Mais le problème se pose à quel niveau pour libérer un groupe terroriste qui n'a pas même armée organisée. Mais nous avons là-bas EAC, 25 généraux, et état de siège, 21 000 hommes, plus de colonels et tout, qu'on soit appui militaire. Mais le problème se bloque à quel niveau pour libérer M23? Alors, tout cela. Non, je suis en train de. La question, c'est de savoir, proposition à Bino, parce que on a diagnostiqué le problème. Alors, c'est quoi? C'est ok, tu as diagnostiqué avant qu'on fasse la proposition. En passant, je vous ai dit que la FCC avait refusé d'abord que la République démocratique du Congo puisse se retrouver dans l'EAC. Ok. Au fait que Tozana Katia est assez au Monique, le long de Kofeli Tshisekedi, Aïpsa Kibiso, la force régionale va entrer par Bounagan. Ça, c'est un. Tango Baye, Bango Baye, Kokoma, Tango Bakomi, Balobi, non, nous ne sommes pas Koyako Bundame, Toyoko, créer Bazon Tampo. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous, notre proposition, de dire à Kofeli Tshisekedi, il n'y a pas une guerre qui doit être gagnée par les étrangers. Il n'y en a pas. Nous avons une armée ici professionnelle que Kabila a laissée 8e en Afrique, aujourd'hui 12e ou 13e. Nous avons une armée capable de faire quelque chose devant M23, expérimenter de ça. Mais pourquoi pas de ne pas mettre mon solo dans 4 armées, organiser armée, consulter ceux qui ont fait quelque chose en 2013. Moi, je propose, il est temps, l'argent que Félix Tshisekedi a gaspillé pendant 357 voyages pour chercher une diplomatie très forte agissante, moi, je lui propose d'aller consulter Joseph Kabila parce qu'il a l'expérience. Il a dirigé ces pays. Il a connu des problèmes sérieux. 1+4, il y a eu la rébellion. Kabila a eu à maîtriser ça. 1+4, il y a eu les pays voulaient se diviser, se balkaniser. Mais Kabila a utilisé une expérience au sommet de l'État. Kabila a maîtrisé cette situation en 2013. Mais pourquoi pas de chercher, de voir son ancien collaborateur dans la coalition FCC-CACH. Nous étions là. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui avait rompu cet accord-là. Mais vu ses expériences, ancien président de la République, sénateur à vie, Félix Tshisekedi, je lui propose, s'il peut écouter, d'aller approcher son frère pour qu'il exploite au moins pour l'intérêt général de la nation. J'allais citer pour la coalition entre la Mouka, LGD, tout consort. Écoutez, moi, pour moi, je trouve que, vous savez, lorsque quelqu'un a eu l'argent, lorsque Moutouazoua Kimbongo pour crédibiliser Nani et enrôlement, il n'a pas dit ça. Vous savez qu'il y a un certain membre qui réclame aujourd'hui la vérité des îles, a eu l'argent de ce gouvernement pour aller s'enrôler. Vous savez que non, Mendeko, Nani, Matata Ponyo
Aïe au moins à être barré de Kiliza qui est à bon dossier naïe et ça sous coulisses pour que Azala Aza Zéla n'a pas que vérité des îles, vous le connaissez, c'est pour crédibiliser l'enrôlement. Il a eu l'argent, il ne vous dira pas ça. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, l'opposition refuse d'aller s'enrôler. Bloc patriotique, ils étaient en vertu de l'article 64 de la Constitution. Très bien. Ce n'était pas une plateforme. Merci beaucoup. Alors, maintenant, face à cela, il fallait que Bassa, la Biloko, Bako, ça, la Pona, qu'on distrait le peuple congolais. Personne ne l'interdit pour réclamer leurs droits. Mais à une condition, que ces droits-là soient reconnus officiellement de l'intérêt général. Merci. Mais c'est pour crédibiliser l'argent où ils ont pris en cachette. En tout cas, nous, le peuple congolais, nous sommes en train. Merci. Tu as noté trois choses. Comme il y a assez, qu'on consulte l'ancien président, puis l'opposition, ils ont divisé. L'opposition ne sera jamais divisée, mais il n'y a que les individus pour leurs intérêts mesquins. Maître Tony, marche, il y a bande de quoi, LGD, ensemble, PSID, Balini, Télébéla, agression, rendez-vous. Bino, vous avez aussi, vous avez peine, vous avez réfléchi, vous avez pu sur ma proposition. Comment est-ce que vous trouvez en gros? Est-ce que les occasions de l'opposition et sans la prendre en solution dans les camps où il y a guerre, topi, agression, rendez-vous? Avant de répondre à cette question pertinente, d'ailleurs très bien formulée, ou permettre en Ghana de cadrer les Kinangaï ou Azali en face. C'est les Kinangaï ou Tinazaï qui ont débattu. Les Kinangaï. Azali en face Nangaï. Pour non, je ne suis pas son petit frère. Non, il doit retirer. Ce n'est pas parce qu'on partage le plat. Non, mais je ne suis pas ton petit frère. Non, mais tu ne connais pas mon âge. De quel droit tu te permets de m'appeler ton petit frère? Tolérance. Les Tolérance et puis arrêté. Voilà. J'aimerais recadrer mon jeune frère qui est en face. S'il c'est maintenant à Zozo accès à Koulekana TV pour à Mekaku Kabola Makanisi par rapport à la gestion en Boka, à Ebake, un bateau Batangi qui est là, c'est pour bailler Koula Koulouba Boyina TV. Ok? Bisoto, t'as lu na YouTube ou t'es émission à X ou Y, te bloquer maloba, ou bien pécio maloba, ya koya koloba, ou pour na yako salir bateau, pécibo moina bango, pour na mboka ou ekoma ou le ekomi. Ce n'est pas parce que je suis pas, s'il vous plaît, permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire. Ce n'est pas parce que je partage pas entièrement la gestion de Ndeko Joseph Kabila que je passerai à la télévision pour saper sa personne. Ndeko Azali, n'a pas point la vie n'a été. Mais ndenge na komona na ba réflexion na ko komaka premier ministre té na vinaï. Comment ça? Non. OK, il est important de le dire. S'il vous plaît, permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire. S'il vous plaît. OK, il est très important. Il est très important. Il est très important que lorsque to kolika la ba itandoike, to za la na engagement ko responsable. Ce n'est pas une émission élaborée pour parler de réalisation d'Adolphe Mouzito, mais j'aime beaucoup le recadrage au salier par rapport il y a aussi à Bidji Amboka. Les lots sont comme Obeta Masolo et à milliards à Bidji Amboka, c'est parce qu'il y a eu deux personnes qui ont géré cette république. Il y a Joseph Kabila en tant que président de la République, Adolphe Mouzito en tant que premier ministre. 1 plus 4 est bâti Kaka Bidji à 800 millions. Adolphe Mouzito en ressources propres, pratiquement à 4 milliards de dollars. Ondeko, il a fait 3 ans et demi, Ondeko, Matata Ponyu, Akokaki, Longolango à 4 milliards, Tiatikango à 4 milliards. Il est très important de le dire. D'être extérieur, d'être intérieur, ça a été payé par Adolphe Mouzito. Donc, ce qu'il a eu Katisu, qui a tiré Ondelo, moi, si on a un côté, quand on a un côté, il pense qu'il peut venir ici pour profasser de propos à caractère discutoire à l'endroit d'Adolphe Mouzito, ailleurs que on peut se comporter d'une manière rabataire comme lui. Alors, il est important de répondre à la question. Il est important de répondre à la question. Dans l'entame de mes propos, je dis ici ceci. Que ton messani, qu'on s'en a politique pour l'avoir intérêt mesca, pour choisir des individus. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé mon co-débatteur le plus immédiat, à Outiko le Bayamou. Tout ça qui est habitué à Kousangana, on a le beau visage de X pour la popularité de l'autre. Tolanda papa Étienne Tshisekedi, pendant 37 ans, Nassima, je peux dire, il est mort avant Bakou, c'est 37 ans, pendant 32 ans, Nassima. Pourquoi? Parce qu'avec le leader mot charismatique, mais par rapport, il y a offre naïe pour la construction en Mboka, tout n'est pas quitté. Parce que l'offre politique d'un parti politique, ils allaient offrir moi effectivement et ça connaît de mutation. Mais cependant, éthique à la Goloko, la charte, il y a gestion, lorsque Boko, quand on a Boka, il va implémenter un mot, en pratique. Mais malheureusement, on se rend compte que l'IDPS, Bazaya qui n'a pas de l'autre côté. Je serai très dur dans mes mots. Et à l'école, moi, c'est à la Tijip, à Mathilde Kolo, NDT, ou Talibna, au moins, il y a l'autre côté. C'est comparable à l'IDPS. Mais malheureusement.
Mais malheureusement, on se rend compte que aujourd'hui, parti politique, donc, on a la même erreur. L'erreur de pouvoir nous approcher des individus, de faire de marche. Effectivement, moi, je ne suis pas contre la marche que vous allez organiser entre LGD, SID et d'autres partis politiques. Je ne suis pas contre parce que c'est pour un but précis. Parce que l'agression qui se passe dans la partie est de la République, et ça, pour ça, la bise au nion se passe. Bise au nion, c'est que ça soit bon politique, la bise. Mais cependant, donc, on l'ingate que la manifestation de terrain, wana, et ça, l'étiquette, il y a marche pour la soutien. Fardesse pour la partager mawana ya bango mais na souka ezala pour la pesa ndeko tiseke di kilombo occasion ya ko benga batuna dialogue là ce sera les intérêts mesca. C'est ainsi que nous en tant que formation politique nous disons le mien est que to comme isa ndeko feli tiseke di kilombo na souka nous avons commencé le processus ya enrôlement naba caractère na ngo nyonso auto ko émettre comme critique effectivement. C'est le droit de la part de PPRD, FCC, va se retirer d'un processus parce qu'il va se rendre compte qu'ils allaient un processus qui reflétait crédibilité à un processus. Mais cependant, Monique, il est important de le dire, ce n'est pas, à mon frère, je profite de l'occasion pour le dire, de ne pas attribuer aux individus caractère à Colia Mongo pour la banque de se faire enrôler. Il est important de le dire parce que le devoir civique reconnu par la Constitution, il a dit, paye le fait qu'il n'y ait carte d'électeur Rwanda. Ce n'est pas anticonstitutionnel. PPRD est passé trois processus électoraux dans Mboukana Bisso. Malheureusement, les trois processus électoraux ont débouché par une contestation criante. C'est ainsi que Bisso Tolobi. Donc, quand il s'est dit, bah, intention naïe, alors qu'il y a devant la Suisse. Qui est insécurité à partir est ce qu'on risquait et retarder l'organisation à l'élection. Patrick Mouyaya, même avant ça, il avait émis ça. Et on s'est rendu compte que Félix Tshisekedi Tshilombo, devant Emmanuel Macron, il a encore réitéré avec des mots plus éloquents que Nenga Lobaki dans le discours qu'on avait précédent. Mais nous, en tant que politique, Otozaï n'a besoin que le respect du délai constitutionnel est à la demise, est à la dérigueur, donc on qu'il faut la fenêtre à Tamo qui était Nandeko Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que nous voulons qu'il y ait une alternance à la tête de la République, enfin que, bah, institution, on les a dit illégitime, bah, animateur, on y'a, bah, côté à l'intérêt d'un bango partisan, à la place, côté à l'intérêt à peuple, bah, y'a, bah, coquiende, on a une nouvelle classe politique, et quant à enjeu, le jeune, intelligent, comme mon co-débatteur le plus immédiat, bah, quant à la gestion, en Mboka, on a tout redressé Mboka. La République démocratique du Congo a un problème de leadership. Et ce problème de leadership est causé à la résolution simplement ce qui dit son acteur politique de continuer la cadence pour n'accueillir comment est-ce que nous pouvons changer le donne. En fait, insécurité dans la partie est. Et si là, bah, prier ma tête dans le marché de biens de consommation, tout ça, la diplomatie, mon côté, le président de la République, pour plernicher devant homologue, parce qu'il va y avoir des bisiers qui ont il faut que nous puissions être à mesure pour redresser mon cannabis. Mon cannabis est allé dérouter malheureusement. Merci beaucoup, très bien. Au deuxième sujet, mais nous avons rappelé sur respect, il y a un co-débatteur, nous avons rappelé sur respect, il y a un téléspectateur, nous avons rappelé tous les chaînes, comme on est, où ils allaient toujours, que tous les amis, que tous les amis, que tous les basali que tous les amis, 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 que vie privée à que respect à la personne humaine les très amis. Important dans le sens il y a débat na biso il y a mon ko na lelo c'est les faits les alli prévu pour na lelo na 12h déjà tozo ke ne malin malin bati to comme à 12h to éviter qu'est-ce qui va se passer mais ce qui est ça limité c'est quoi la prochaine étape et ndeko Eliezer Tamboyo azali bongo mon ko ya ba élu nationaux ya mboka na biso élu ya Lukunga a pesa ki ayema kanisa lobi esengeli to pona entre élection vue sociale topé guerre moi na mboka David Mutumbu tozo pesa yo maloba Oza, bon, on a 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, et puis tu rejoins la souka. Pour Tolobé Alikambetali Bongo 2023, est-ce que faut tout ça la choix entre élection, la guerre, entre élection, na pour rétablir Kimia, na l'État démocratique du Congo, élection, topé, kozongisa, vie sociale, malam, à l'oubli que Mboka, toi, ko se permettre à tout le monde de se faire sous les élections, alors que Mboka, ma mbe, sotambo la malam, est-ce que vous partagez la vie? Nayambuna na la mutuna na o na kosenga na ko debater azan face na nga na oyebisa ya liboso batenga maloba a te pona ya loba ya mususu alandaka peut-être émission na opété soki ezap na ebité za mba liboso soit je ne sais pas combien de fois ya na plateau na o a
azana respect à bako débatteur. Ok, ali koloba ke bat batangi ke la si aibi niveau d'étude nan aite. Nde kwa zali pembe na ye aibi nga malamu, na banze te tuye bani sika mousousoute, tuye bani na plateau à télévision. Yali bosu, yami bale na aiko ebi sa ye, je ne suis pas un novice dans la communication politique. Ça va faire maintenant 6 ans ke na zalara na ba plateau à ba télé pour na koya ko analyse ba question. Motuno tuna ke zaki motuna moro simple. Otunek mutuna mo simple bango bazali na bandeko mususute oya LGD ensemble pour basa la marche contre agression ezay pour nanine ya reponda ki kete bango basala ka ba alliance pour na ko ba programme pour na ba bloko nyoso lobaki na nga na tunaki mutuna na tunye ko mutuna tena mituni herbat her to zaki bisonyo sona Genève. Est-ce que zaki sur base d'un programme ou c'était sur base d'une cause? Parce qu'on avait estimé à cette époque-là, il fallait que tout ça la bloque moko pour étendre que Kabila a kende. Mutu azai pembe nae wana oleluya azai ko kumisaye, azai ko betela ye maboko pour na ko dénigrer ngai. Ya misatu na roye bisaye na azali de kina ete, aibi mbula na ngai ete, et puis akoya a te pour abanda ko sa ba débat de faciès. Azai ko ebisa mutu ache munde lwa che nini. Ezai bilo o mawe zai na tina te, nga par contre na zai na respect na ye, na zali na considération na ye, soki aye poto kabula maye, le poto total tout ça la débat na ebitata na plateau na so ke se nganini to sala débat d'économiste pour na ko pesa information na zaipe économiste so ka ligito sala débat na to ya ko sala ya na ndinga di sika question na yo za ki nini élection ou développement na bosani question te élection ou développement non non webina loko to ali français ba lo barake la démocratie est un autre mot du développement tendance o to iko ya ko pesa batu awa nga na za indépendant na iko ya ko kanisa ba chaka nga maloba na mono côté na ko démontrer yo awa élection exemple ceux qui faut écouter biso 1 milliard de dollars na budget ezali 1 milliard mbala mon côté ba bimisaka ezali 1 milliard oyo ba bombaka pendant tout un quinquennat. Il y a une constitution et lobby. C'est-à-dire que chaque année, il réserve à la quantité de mon corps pour le processus électoral. Il y a zéro. Il y a des gens qui ont été élus. Il y a des gens qui ont été élus. Nouvelle élan. Tant que tu as été élu, tu as été élu. Il faut que tu aies été élu. Parmi les artisans, pardon, il y a une émission pour le Bingana na Kabila. Pour le Bingana na Kabila, pour respecter les délais constitutionnels. Mais ça sera malheureux, le loyer comme on a raillé, azolo baketo ça la choix. Non 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 non. Certes, les élections ont un coût, mais écoute biso misolonio sauté. Mais ça les moko tem de l'hôpital, le chef de l'État a dit qu'il y a un problème, il y a la guerre na est. Non non, le chef non non. Qui ko hypothéqué ba élection. Ndeko Kabila na dernière conférence na je pense qu'à lobaka yango, il faut tout ça la choix entre élection et développement. Bandeko o lelo bazai pour o ba ko lobaka. Ngana jamais n'a pas qu'on condimenté que tout respecter les délais constitutionnels sur base parce que ce côté du sommet était et ça y est le côté au bas coco ça va comme man processus électoral va préparer quand on durant tout un quinquennat ce qui est écouté biso 1 million n'a pas eu qu'on est sur exemple bah chaque à 300 millions chaque année pembeni au ministre et ça y est un rôle ministre finance pour être pas financer processus électoral ok et ça y était que ce qui s'y colle l'autre ça l'élection qui bon si car il s'en attend n'est pas le biso à toi il bilingue toi libre analyste acteur politique tu recotes dans l'institution d'ingénieur. Il y a des gens qui m'ont pronomé, ça limite. La place est ma pronomie, il y a proposé. Il y a une institution qui m'a dit que c'était un Batikale batikale kusala balobi bongo teke po kimena este po ezonga l'une des choses zai mosolote ki to zai na problème moko to ai koloba awa na classe politique na biso crise de légitimité po to zwa légitimité wana to zwa rango obele na maponomi. Ce qui t'a dit que pour nous battre, n'est pas cause à la légitime des peuples à quoi est bâti tout tinda qui mutuana bon. Mais quand si ah ceux qui bosali ko zanaba tendance moko oh eh monsieur mukonjambo kazali nangote boniko pesa ba idem moko oh eh monsieur mukonjambo kazali nangote pour te toquer na ba élection tete wana zali lokuta. Ce qui problème zali na processus électoral. Ce qui maramboa est et ko qui ko endommager processus électoral. Tout zali na tango nyonso pour te yakubungi sango pour que na délai constitutionnel ba élection Salema, pour te sortir de l'élection, n'est pas renforcer même système na biso ya mboka même état na biso. Vous êtes convaincu que le 20 décembre de cette année est ok na ba urne? Non, pour être sincère, le 20 décembre na roloba ngana na yoko sa ba kongomani te zali pasi. Pour nous, il y a déjà que le calendrier électoral, vous voyez comment on a prévoyé qu'exemple, enrôlement à Kinshasa pour 30 jours. Mais moi, il va prolonger un mois juste dans le Mikolo Mingi. Donc, naturellement, il y a une incidence sur le calendrier électoral.
Donc, tout ça va comme humanité. Et toi, tout le monde va comme ça. Mais que moyen... Mais Rosalie, le problème, c'est que deuxième heure est bandit, troisième heure est bandit, mais moi, c'est le problème. Deuxième heure est bandit, troisième heure est bandit, mais Hollande, il y a mon co-président Yasséni. Je pense que vous avez mon pandit sans Hollande, qui est là, il y a Koloba. Qu'il y a un problème qui se pose dans le financement du processus électoral. Et qu'il y a des gens qui ont payé sa mère, qui ont payé sa et que ce qui m'a pronomé, et ça l'a limité le 20 décembre, ils allaient poète te ya bonisi ma ponomité mais ezali poète gouvernement ya mboka etche ma ponomité wana etche mon solote pardon wana sika awa rôle na biso ya kosala ezali ya kolobaki ya ko interpeller gouvernement biso souwa na biso pe souci na biso ezali que to respecter de le constitutionnel wana mais to zena tango no so poète so ki ba cheli esusu misolo ya mingi ya kolikande ya sengaki et que sengaki a rattraper ba retard wana nyoso to connaître na processus électoral kasi ya kolobande ko les gens na zolo ba ah que non il faut faire les choix te so qui t'olingi to kene nanzela wana to kozongi sa su ekolo sima po te toi koloba exemple makambu ya agression l'une des causes c'est ba rébellion ba rébellion zaki po nini batu ba contesta ka batu ba zali na pouvoir po ba zali na légitimité kasi po na kozwa légitimité wana il faut ko kota ka nanzela maponomi ya wapi to zali koloba ke to zali pour to zali ko bunda to zali ko senga na gouvernement a chape na misolo o elongo bani po te seni a organiser élection dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup ndeko wakingi la Jean bino bozaku tu la bosa mais est-ce que il y a lieu de choisir entre les élections et la sécurité à l'est du pays? Madame Naomi, laisse-moi vous dire que je suis congolais, j'ai un droit aux constitutions et Pessingaï, même au sein du FCC, plateforme Oyo. Il y a politique au bisoto à coévoluer Nango. Tikaite na zonga mamouke, na lobby boy, Madame Naomi. Si vous voyez, na lobby, na katia constitution, il n'y a aucun article où interdire peuple congolais à se réunir pour défendre l'intérêt général. Je suis tout à fait d'accord de ce qui va se passer entre LG2, la Mouka, ya Fayoulou, de quoi que c'est, n'est-ce pas? Et na, ensemble, à Moïse Katoum. Mais si vous regardez, bah, image, bah, tout, trois personnes, sont les images purement de Félix. Vous savez que qui est Moïse Katumbi, sa position politique? Il est venu de quelle classe politique? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'est pas avec Félix? Moi, j'ai toujours dit que ça peut être une manipulation politique pour espionner l'opposition pour le moment. Donc, ça, c'est de un. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir sur ça. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a reçu l'argent. Pour crédibiliser, il s'est fait opposant. Pour crédibiliser l'opération et enrôlement. Et vous avez suivi comment le secrétaire des Nations Unies, Bintou Keïta, a dit. C'est Kabila, s'il ne s'enrôle pas, tout ce que nous sommes en train de dire, vous connaissez la suite. Troisième élément, je vous dis, tant que l'Union sacrée, c'est conglomérat des aventuriers, permettez-moi pour le terme, tous ceux qui ont comme problème, pour avoir un parapluie, à ceux qui manquent, l'Union sacrée, Ndegomatata, vous avez suivi son dossier. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, je ne dis pas qu'il y a un bazar à droite, il y a qu'on sauvegarder, il y a qu'on lober la Congo, mais ceux qui bazar déjà bloque mon Congo, acheté moralement par le régime en place, et nous, bah, Congomani, tu vois, quand on a ma cambouanate, ça c'est de rien. Maître, je reviens à vous, je vous apprécie beaucoup, mes co-débatteurs, avec beaucoup de respect que nous sommes en train de parler sur l'État ici. Mais lorsque vous parlez de la contestation électorale, et permettez-moi de vous dire, vous êtes juriste, qu'une minute, charte a été violée. Charte à 5 ans. Il y a ma confession religieuse. En 2006, en 2011, en 2018. Il n'y a aucune disposition. Il est là, il est juriste, il peut me dire. Mais aujourd'hui, en 2023, nous constatons, dans charte balobini, il n'y a que le vice-président, le président et le vice-président ne va pas signer, cher Tewana, procès verbal et à coélire président Yasséni. Bako Kendegoti Kangwapi dans l'Assemblée nationale et à son tour, le président de l'Assemblée nationale va déposer au président de la République ou intérimaire. Mais na Katiwana, na cher Tezakle, la présidence de Yasséni, ya cher Tezanan, l'Église catholique. Et vice-président, c'est qui? C'est. Est-ce que ça a été organisé? Et nous avons vu ici. Bazoye Bisabiso Kadima, c'est un candidat du chef. Je voudrais quand même. Quant à la procédure, je pense que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est aujourd'hui fruit à Kadima. Je peux vous donner encore un élément de comparatif. Regardez les procès de Kadima et de Malonda. Je ne sais pas moi si vous serez d'accord. Allez s'enrôler
pour Malonda Kadima, pendant que Malonda a été contesté dans la même procédure, même circonstance. Mais ça, c'est de 1. C'était juste. FCC ne doit pas glisser. Écoutez, qui va, jusqu'à aujourd'hui, qui peut accepter de faire l'alliance avec Félix Tshisekedi? Faisons une analyse. Tous ceux qui ont accompagné Félix Tshisekedi, aujourd'hui, dans 5 ans, ils ne sont pas avec lui. François Béaïou, Kabou, son ancien CG des partis, on appelle qui? Kaboun. Il est où? Tous ceux qui l'ont accompagné, général Defe Kaimbi est où? Kamere, je vous dis, il n'est pas avec Félix Tshisekedi. Peut-être par la présence physique, mais spirituellement, Kamere n'est pas avec Félix Tshisekedi. Il a fait tourner Naena Est. Yabisanga, dans quel meeting, dans quelle ville où Kamer a cité la coalition qui existe entre INC et IDPS? Il n'a pas même cité le nom de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne qui peut accepter de faire la coalition avec Ndeko Félix Tshisekedi. Sinon, vous allez toujours recourir à Mahoma Koleka na prison. Alors, je voudrais quand même dire, les préalables sont clairs. Je dis ceci. Madame Naomi, nous ne faisons pas d'échange d'idées par rapport à vous. Vous me posez la question, laisse-moi développer. Le problème, c'est lequel? Tant que le baba préalable, c'est faisable, c'est palpable. Lorsque nous décrions les systèmes, il y en a un enrôlement, vous avez vu ici, taux de participation dans la zone opérationnelle A est faible. Par exemple, la ville de Kinshasa. Vous pouvez me dire, Kadima tel qu'il est là, à Kokoye Bisayo, nombre entendu pour enrôler, n'a pas suite après l'élection enrôlement. Au moins, taux de participation, c'est faible. Vous avez vu aujourd'hui, sous Ndeko Félix Tshisekedi Kadima, Ndenge Toko Mona na Kassai, Bako Kanga, ba député, na ba machine, na kati, yanani ya mutuka. Tokeno makambo na Ndeko Naomi. Je vais parler maintenant, Ndeko Eliezer. Comment? Bon, permettez-moi, Ndeko Eliezer, il ne sait pas qu'il est élu sur base d'une jurisprudence, na makati à élection. Élection pour Azal et l'autre député. Il y a un parti Moussous qui a voté. Oh, l'autre député national. Ndeko Eliezer, est-ce qu'il y a un Congolais, Yumbi, Ben, Bazalaki Wap, tant qu'il y a voté député national? Alors, non, ils ont un mécanisme qui a un novice en politique. Laisse-moi te dire ça. Parce que lorsque le pays, ça ne va pas, au sein de l'élection où on peut se choisir librement la personne qui peut définir, qui peut donner au moins une politique. Un leadership éclairé, visionnaire. Parce qu'on sait des élections. Tout ce qui bloque aujourd'hui le gouvernement en place, le régime de Félix Tshisekedi, a montré ses limites, ses faiblesses. Le problème, c'est le régime. Et il faut maintenant organiser les élections dans les délais constitutionnels pour faire partir ce régime et que l'idée Moussou Souéa, Bakalisi Moussou Souéa, leadership Moussou Souéa, Total Nenganini, Congo est qu'on résilie les accords on de Félix Tshisekedi à Tshikibisona EAC, les accords on de Félix Tshisekedi à Tshikibisona Rwanda, les accords on de Félix Tshisekedi à Memeli Biso, que Mosolo ya Congo et que Nelibanda ya Mbo. Alors, les élections, j'aime quand mon co-débatteur a soulevé ça ici. Madame Naomi, vous êtes journaliste de grande renommée. Vous n'avez pas vu ici à l'entrée du gouvernement Wario. On nous a dit, il y a déjà un montant réservé pour les élections. Vous avez vu États-Unis nous dire, il y a une enveloppe envoyée déjà pour les élections de la République démocratique du Congo. Il y a déjà des barrières de fonds. Dites-moi, dans quel niveau où ça bloque? Tu ne vois pas que ceux qui aiment le glissement, il n'y a que Kadima. Na CENI, il n'y a que Kadima na finance, bagé à ping-pong. Merci beaucoup, Ndeko Tony. Tosi, Sanayo et Michel. Et Sili, devons nous choisir entre les élections et rétablir la paix. Dans mon libino, il y a un nouvel élan. Bosa, Makalissimo, Mingna, Oetali, Bongo, Okozong, Sakinia, la Estra, Pumokati, Bongo. Devons nous choisir, Ndege, Mwanamboka, Elisa, Tambo. Dans quelques secondes, je réponds, mon jeune frère, que le nouvel élan a manifesté devant l'ambassade de Rwanda. D'ailleurs, Congobeuse était là, a filmé les images, et vous avez balancé ça dans votre émission. Au-delà de ça, tout ça, la manifestation sur toute l'étendue de la République, au-delà de tout ça, la Kalibusso et à Rwanda, sur toute l'étendue de la République, pour que nous puissions compatir, appuyer, donner nos propositions
surtout par rapport à nos stratégies militaires que nous avons profinées au sein de notre parti politique. Le problème avec lui, c'est quoi? Ce n'est pas un membre d'un parti politique. C'est un électron libre qui est utilisé par de politiciens assoiffés de faire parler le jeune pour un 5 dollars. C'est ainsi qu'il a cette difficulté de pouvoir se tenir devant vous pour tenir un discours convenable et convaincant. Effectivement, à Genève, la cause était de chasser Kabila. C'est une faiblesse de notre part, les acteurs politiques de l'opposition à l'époque. Pourquoi? Parce que non seulement Kabila est parti, mais le système de Kabila est resté. Kabila n'est pas le mal congolais, mais le système. Parce que Kabila avait de bonnes idées. Lui-même, il a dit ça une fois. Si seulement Azala qui n'a 20 personnes intègres, mais le Congo serait redressé. Mais malheureusement, la personne de Kabila dotée de bonnes intentions pour la gestion de la chose publique, avec son entourage, aujourd'hui, tout cet entourage, imaginez le professeur Bouchab, qui a joué le rôle d'être directeur du cabinet de Joseph Kabila. Il a été secrétaire général du PPRD. Il a signé le poste du ministre de l'Intérieur, aujourd'hui à Katisinga Mbouakéi. Les exemples sont légions. Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas donné à Lambert Mende? Aujourd'hui, Lambert Mende se retrouve au sein de l'Union sacrée. Un ministre de la communication a vu. Il est pas loin. Mais il est parti. C'est ainsi que nous sommes en train de dire. La problématique, ce n'est pas seulement nous chassons Kabila, Tshisekedi, voulais-je dire, à la tête de la République. Nous devons commencer à nous regarder nous-mêmes pour savoir lorsque Toko Bengana Tshisekedi en 2024. Le 23 janvier 2024. Qui va assumer la responsabilité du président de la République? Avec quel programme il doit implémenter? Ce n'est pas savant, mais je constate que l'ignorance est têtue. Mon jeune frère d'en face, il n'arrive pas à comprendre le méandre de propositions que nous sommes en train d'apporter pour l'avancement de la République. J'atterris pour dire entre la sécurité et le développement. Qu'est-ce que nous devons? Cette comparaison, ce n'est pas du nouveau aujourd'hui. C'est une comparaison qui date à l'époque il y a Ndeko Kabila. Bah, pour vous aux questions, on n'est pas Lambert Mende. Entre pacifier Yumbi et organiser les élections. C'était en 2016. Hein? Il était encore très jeune. Vous comprenez? Je pense qu'il ne comprenait pas la mienne. Alors, nous avons choisi les élections. Mmh. Et vous-même, vous connaissez, il y a de jeunes de notre. Le jeune qui ont eu à verser leur sang. Ce n'est pas ici, je vais vous rappeler, de Rossi Mukendi. Mais cependant, nous constatons que le fervent défenseur, il y a Kabila dégage. Aujourd'hui, Banco s'est retrouvé comme personne, Banco Pesa Bango ballon de C. Le ballon de C, c'est quoi? Au moins, en tête politique, ce qu'il y a, c'est la forfaiture, mon corps. Il faut Aluka, généraux, appeler ça Bamalo Banamonoko, Abandako le Bokana TV, pour que la population normalise. C'est ainsi que nous atterrissons pour dire que nous voulons les élections sans. La partie est de la République. Pourquoi? Parce que nous avons déjà Tshisekedi, le résultat de ça. Les élections ou rien, parce que le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo nous a amené dans l'abîme. Et l'abîme, c'est quoi? C'est l'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette communauté qui est suicidaire pour la République démocratique du Congo, qui vient mettre la République démocratique du Congo sur le lit de la balkanisation. Merci. Et nous avons hérité ce pays. C'est la fin. Un pays entier. Non, et nous léguerons à nos enfants ce pays entier. Madame et la prospérité nous remerciera pour ce combat que nous sommes en train de mener. La différence entre lui et moi, lui est venu parler pour Mousito. Moi, je suis venu parler pour le Congo. Moi, j'ai eu la peau pour Congo. Merci, Ndeko. J'ai eu la peau pour Mousito. Mais j'ai regretté dans un temps. Merci, Ndeko Tony. Maître Tony, merci. Mon amboka, Wakinge, la Jean. Tokutani prochainement. Je vais inviter Mousito Lima Congo. To battre la Congo et Totonga. Et Kolona Biso, Mingi Mingi. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Mbokabako Konabiso, on se retrouve demain, toujours, avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada,
6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.